Pour les démocrates, Géraldine Bannier. Merci Madame la Présidente, merci à vous d'être présent. Je vais poser, une fois n'est pas coutume, la même question que j'ai posée au syndicat du second degré des professeurs sur le sujet de la bonne relation entre les parents et les professeurs. J'ai pu noter dans mes expériences depuis 5 ans que on a très très peu de retours positifs sur les enseignants. Très souvent, quand on échange, les interlocuteurs s'arrêtent sur l'exemple d'un mauvais prof et c'est censé résumer l'ensemble de la profession. On entend aussi, alors il y a un parent d'élève qui m'a dit il n'y a pas longtemps, on ne se comprend pas entre parents et professeurs, il y a un vrai dialogue de sourds entre les deux. De leur côté, les professeurs que je connais bien, puisque j'étais moi-même enseignante, ils évoquent une forme de pression croissante sur le contenu des cours, sur les remarques faites aux élèves, sur les notes. C'est notamment vrai pour le contrôle continu au lycée, lorsque, par exemple, va se jouer une place en classe prépa. Cette pression sur les professeurs n'est évidemment pas étrangère à un phénomène de baisse d'attractivité du métier. Du coup, vous, représentant des parents d'élèves, quelles seraient vos propositions pour restaurer la respectabilité de l'enseignant et ainsi de fait améliorer le fonctionnement du système scolaire? Il souffre, à mon avis, beaucoup de la mauvaise image des professeurs qui s'est hélas banalisée et on sait qu'on a besoin d'une très bonne relation et très forte entre parents et professeurs pour la réussite des élèves. Merci.